Alors bonjour, déjà c'est gentil d'être venu nous voir. Donc la première question, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre parcours sportif? J'ai commencé en Poussin en première année à Paris, en région parisienne, au FC Solitaire Paris-Est, de Poussin jusqu'à moins de 13 première année. Ensuite j'étais parti à Poitiers parce que mon père il a voulu changer un peu d'air, il a été muté parce qu'il travaillait dans les prisons, il a été muté à la prison de Poitiers. Du coup, on était obligé de partir à Poitiers. Et à Poitiers, moi, je suis parti faire des essais. Et ils m'ont gardé. Du coup, j'ai fait de Poitiers en U15. Ça avait changé en U15 interligue. J'ai commencé en U15 interligue jusqu'à 19, ou 19, première année. Deuxième année, pardon. Ensuite, je suis parti à Angers. Angers m'ont recruté. Ils étaient venus chez moi. Ils m'avaient proposé un contrat que j'ai accepté d'ailleurs. Ensuite, Angers, j'ai fait mes clubs jusqu'en CFA. CFA, 19, j'ai fait 19 deuxième année, CFA. Et ensuite, j'ai touché un peu les pros. Ensuite, Angers, ils m'ont proposé un contrat pro, j'ai accepté. Ensuite, ils m'ont envoyé en prêt à Orléans. Un an. D'accord. Comment avez-vous vécu votre arrivée à Orléans, à l'USO? Bien, moi, je sais que. Bon, je partais dans l'inconnu un peu parce que je ne connaissais pas, premier contrat pro, Orléans était encore aussi un club pro, donc aussi je ne connaissais pas grand chose. Après, le club aussi m'a bien intégré, les joueurs aussi, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. D'accord. Donc à la suite du dernier match de championnat qui a eu lieu vendredi, l'USO va accéder à la Ligue 2 et vous avez été élu le meilleur joueur de National. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de votre saison? Saison compliquée, saison longue aussi. Avec des hauts et des bas, parce qu'on avait pourtant bien commencé la saison. Après, le mois de décembre à janvier était un peu dur, avec 2 mois sans victoire, c'était un peu compliqué. Après, on a su aussi avoir un déclic aussi avec les arrivées de Antaria et Pierre Moubi qui nous ont aussi aidés. Ensuite, on a aussi eu la réussite d'avoir 5 victoires d'affilée qui nous a propulsé sur le podium. Donc, au bilan personnel, après avec le titre de meilleur joueur, c'est un bonus. Aussi avec cette montée, c'est un bonus et c'est bien pour moi. Et donc, qu'est-ce que vous envisagez pour la saison prochaine, sachant que vous êtes en prêt? De repartir à Angers, parce que dans tous les cas, c'est mon club avant tout, parce qu'ils m'ont prêté, donc je suis obligé aussi de repartir là-bas. Après, je vais reprendre avec eux et on verra bien où ça m'amène. D'accord, merci.